Hé, hey, mec, réveille-toi. Ah, t'es qui, toi? Et toi, t'es qui? Bon, les mecs, calmez-vous. Comment tu veux qu'on se calme? Je me rappelle de rien, merde. Eh, vous savez où est-ce qu'on est? Oh la vache, j'ai mal au crâne. Vous croyez qu'on a été drogués? Je pense pas, tu t'appelles comment? Je me rappelle plus. Et toi? Moi non plus. Attendez, personne se souvient de son prénom, là? Je me souviens de rien. On se croirait dans un film de science-fiction. Ouais, bah j'espère qu'il y aura de l'action, parce que là, je comprends que dalle. Bon, je propose qu'on aille chercher dans les bois pour trouver un abri. Oui, mais on ne sait pas combien de temps on va devoir rester là. Vous croyez que c'est dangereux dans le coin? Je sais pas. Moi, j'espère juste qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui est dangereux, surtout. Si, moi, je suis un vrai psychopathe. Non, mais je déconne. Bon, allez, plus sérieusement. Faisons un tour de repérage, on trouvera peut-être quelque chose. Ok, bah vas-y, je vais par là-bas. Ok, je te suis, t'es plus grand. Trop pas, c'est moi le plus grand. Bon, dans ce cas, je vais par là-bas. Et si vous trouvez quelque chose, vous sifflez, ok? Ok. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sens qu'on va tous y passer. Je me sens très pessimiste, Alain. Déjà, tu commences pas à me vouvoyer, ok? Ok, est-ce que quelqu'un s'est sifflé? Je t'avoue, je me suis pas posé la question. Moi, ça va, je suis sifflé, on arrivera à sifflé. Ok, super, je me sens plutôt rassuré avec vous. T'inquiète, je gère, moi. Ouais, sauf que tu sais pas siffler, toi. Ça va, vous sentez bien? Ça va, mais je me rappelle vraiment de rien, et c'est perturbant. Ça va, mais moi, ça me stresse un peu, tout ça. Tu croirais dans un jeu, ou un truc comme ça? Tu veux dire genre quoi? Un jeu comme Koyanta, ou à la Jumanji? Ouais, enfin... Ça paraît bizarre, on n'a reçu aucune explication. Ouais, mais qu'il ait intérêt d'effacer nos souvenirs. J'en sais rien, mais je kiffe les nouvelles expériences. Ouais, on verra. En attendant, je commence à avoir faim. C'est vrai, ça, ils nous ont même pas laissé de nourriture. On va trouver de faim. On était sûr, on est dans Koh-Lanta. T'inquiète, avec moi, on trouve toujours une solution. Ouais, bien sûr, je te propose. Mais je t'assure, dans la vie, j'ai toujours eu de la chance. Dans un film, c'est tout le temps celui qui dit ça, meurt le premier. Ah ouais, t'as raison. Il y a un sac là-haut. Je te l'avais dit, la chance est avec nous. Bon, tu sais siffler pour prévenir les autres? Ouais, je m'en occupe. Ah ouais, balèze quand même, mec. Allez, dépêchez-vous, j'ouvre le sac. Alors, il y a quoi dedans? Rien. C'est sérieux là? Non, il y a une lettre avec une sorte de liste. Fais voir la liste. Il y a des prénoms dessus. Cameron, Simon, James, Sam. Fais voir. Ça se trouve, il y a mon prénom dessus. Alix, Leila, Andrew, Freddy, Noé. Bon, à choisir, je prends Alix. C'est vrai que ça te va pas mal. Je prends Noé, moi. Attendez, chacun choisit son prénom, c'est ça? Je voulais choisir, hein, je prendrai le reste. Ah, James pour moi. Bah, j'aurais bien pris Aslan, mais vu qu'il est pas sur la liste, je vais prendre Andrew. Leila pour moi. Ça me va, j'aime bien ça. Bon, bah, Simon. Moi, Cameron. Ouah, trop cool, les gars! Il y a James Cameron avec nous! Bon, allez, je lis la lettre. Bonjour, sachez que vous faites partie d'une expérience. Afin de retrouver vos identités. Vous êtes tous liés entre vous, mais vous devez découvrir comment et avec qui. Votre mémoire sera votre seul guide dans ce voyage intérieur. Bonne chance. Attendez, mais ça veut dire qu'on se connaît d'avant. Ah non, mais moi j'en suis sûr, je te connais pas. Ce soir on est célèbre et on le sait même pas. Redescends sur Terre, pour le moment on sait rien de rien. Si ça se trouve, on va peut-être trouver d'autres indices à un autre endroit. Ok, allons-y, mais cette fois on reste ensemble. Eh hey, mais si on se suspend aux arbres la tête à l'envers, on pourra peut-être regagner la mémoire. Sans commentaire. Eh hey, les gars, regardez. C'est un portefeuille. Ouvre-le, c'est peut-être à l'un d'entre nous. Non, cet homme n'est pas parmi nous. Ah, dommage. Attends, peut-être qu'il y a une ville dans les alentours où vit son propriétaire. Il pourrait peut-être nous aider. Oui, super idée. Où est-il? C'est à Reims, 87 rue Victor Hugo. Eh, mais je connais cette rue. Attends, je la connais aussi. Il y a un parc là-bas. Oui, c'est vrai, mais comment tu sais? C'est quoi ce délire? Je connais pas ce parc, moi. Moi non plus. Je suis pas sûre que ça me concerne. Je pense que j'habitais là-bas. Moi aussi, je crois. Et je vais souvent dans ce parc avec un garçon près de... La fontaine? Oui, c'est ça. Vous serez des amis d'enfants, c'est ça? Peut-être, ça se pourrait bien. Alors, ça serait toi. Et je vois aussi nos parents. Ils se connaissent, je crois. Mais ça reste fou. Pour moi aussi. Bon, continuons, leur mémoire reviendra petit à petit. Avec de la chance.
Bien dit. Comme toujours. Allez, on se dépêche, j'ai envie de découvrir des trucs sur moi. Peut-être que moi, j'ai pas envie de découvrir des trucs sur moi. T'as des trucs à reprocher, mec. Arrête de te prendre la tête, faut rester cool dans la vie. Et Andro ? Ouais. Tout à l'heure, t'as parlé de James Cameron. J'adore ce réalisateur. C'est quoi ton film préféré ? J'en ai pas vraiment. Je suis un peu bizarre pour la blague, en fait. Moi, c'est Avatar. Oh, je l'ai vu cette fois-ci. Tu déconnes ? Le jour de sa sortie, je suis allé le voir 3 fois d'affilée, tellement c'était ouf. Bah ouais, je crois que j'étais pareil. Moi, j'aime pas trop ce genre de film, c'est irréaliste. Non, mais ce qui est trop bien, c'est l'univers qui a été créé. Ouais, enfin, des gens bleus dans une forêt, c'est du déjà vu. Regardez les Schtroumpfs. Non, mais vous y connaissez rien. Je suis d'accord avec James. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Je viens d'avoir un flash. La 3e fois que j'ai été le voir, les lumières de la salle se sont rallumées au plein milieu du film. Au moment où ils détruisent l'arbre des ânes ? Oui, c'est ça. J'ai vécu la même chose aussi. Attends, attends. Ça veut dire que vous étiez dans la même salle ? C'est possible, après ce qu'on vient de découvrir sur Alex et moi. On est peut-être amis en fait. Possible. C'est gênant un peu. Ça se trouve, vous sortez ensemble ? Là, ça devient vraiment gênant par contre. Je comprends, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi. Et regardez, il y a un lac là-bas. Vous pourrez essayer de se rafraîchir, je crève de soif. Alors ça. C'est une putain d'idée, mon pote. Attendez, une bouteille. Fais attention à pas tomber quand même. Il y a un message à l'intérieur. Les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment pas d'inspiration. Bon, ouais, c'est pas grave, on se voit là. Mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon devoir de maths, mais il y a le nom de Simon dessus. Qu'est-ce que ça fait là ? Je comprends pas. Il me semblait que je l'avais perdu. Simon, il y a ton nom, t'es forcément impliqué. Ah, j'ai peut-être une explication. Il se peut que le devoir ait été échangé contre info. Ah d'accord, je comprends. Attends, comment ça a échangé contre info ? Ah ça y est, j'y suis. T'as changé de devoir de maths car t'y piges que dalle. Je me rappelle plus exactement, mais c'est possible. Oh, je le savais. J'ai fait la même à un pote. Franchement, y a pas de quoi se vanter. C'est clair, je te ferai jamais ça, Leïla. Je sais ça. Mais il est pas là, le problème. Baisse d'un ton. Ouais, parle mieux. Hé, hey, calmez-vous, ça sert à rien de s'énerver. Oui, bien dit, Sam. Le plus important, c'est de retrouver notre mémoire. Mais je suis d'accord avec toi, Alex. Alors, reprenons notre route. Ça va, Sam ? Ça va, j'espère juste qu'on va trouver des trucs. Ok. Eh les gars, venez voir. J'arrive. Attends, elle allume pas, c'est peut-être piégé. Non, mais tu regardes quand tu me mets dessus. Mais c'est quoi ça ? On dirait une radio. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble, mais on dirait un bébé dessus. Fais voir. Tiens. C'est pas une radio ça, c'est une échographie. Ouais, c'est vrai, mais pourquoi il y a 2 bébés dessus ? C'est peut-être des jumeaux. Ça se pourrait. Et vu que vous êtes les seuls à ne rien savoir sur vos liens, ça doit sûrement vous concerner. Attends, attends. T'es en train de me dire que c'est ma sœur jumelle, non ? Ça se fait souvenir avant, je pense. Ouais, c'est vrai. Il y a même des fois, j'ai envie de te taquiner comme ma petite sœur. Oui, bah attends, on n'est pas sûr, on se détend. C'est vrai que pour le moment, on ne sait pas grand-chose. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir une jumelle. Ça me ferait grave délirer. Tant mieux si t'as pas une muse. Oh. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me souviens d'un truc hyper réaliste. Ouais, dis-nous, mec. Je l'ai vu, lui. Moi ? Lui, tu m'as fait une figure juste avant que je m'endorme. C'est vrai, t'as intérêt à avoir une bonne esprit. C'est sans toi, Noé ? Tu te trompes pas ? Non, je suis sûr que c'est bien lui. Bon, ok, chez moi, je vais vous expliquer. Bon, vous ne vous souvenez plus ? Vous y étiez tous volontaires pour participer à cette expérience scientifique pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Quoi ? Mais pourquoi on aurait fait ça ? Il a raison, ça n'a aucun sens. Mais c'est bizarre l'histoire du devoir de maths avec Simon. Justement, c'était un test pour savoir s'il se souvenait vraiment de ses souvenirs. Et alors ? En partie. T'avais effectivement eu une histoire de devoir de maths, mais c'était pas vrai. Mais vous êtes qui alors ? Eh bien, c'est simple. Je suis un des scientifiques qui travaille sur cette expérience. C'est vrai que je crois me souvenir d'avoir dit oui à cette expérience. Tout à fait. Comme le montre ce test, vos souvenirs réapparaissent petit à petit. Ça ne lui dit pas pourquoi on a accepté de subir ça ? La raison est simple. Vous êtes tous proches d'une personne qui est touchée par Alzheimer. Et du coup, vous avez souhaité la guérir. Il a peut-être raison. Évidemment, mais la vraie question est, est-ce que vous vous souvenez vraiment du nom de cette personne ? Je m'en doutais.
Mais si vous voulez le savoir, rendez-vous à la prochaine expérience. Et lui commence vraiment à me saouler avec les expériences.